Echo 3-1 à Charlie 2 Leader. Ici Leader. La zone est en vue. Je crois que nos gars sont pile à l'heure, colonel. Compris, 3-1. Équipe Hitman en place et prête pour l'assaut. Vous avez le feu vert. Colonel, on a un problème. Trop tard, Laswell. On y va. Ça, c'est ma décision. Watcher à 3-1, vous me recevez ? Chef de station Laswell, on vous écoute. Le général Barkov a expédié une cargaison de gaz vers son dépôt. Mais ses hommes s'apprêtent à transporter les armes chimiques vers l'Urzikstan ce soir. Vous avez l'autorisation d'attaquer, mais n'ouvrez le feu sur des soldats russes en aucune circonstance. On ne veut pas d'incident international. Rien dit que l'armée russe restera impassible, Kate. C'est compris, Alex. Commencez par trouver le gaz, détourner les camions et quitter la zone avant que les troupes s'emmènent. Je suis Watcher, on s'en occupe. En route. À toutes les équipes Hitman, avancez. Compris, on bouge. On n'a pas le droit à l'erreur. Les hommes de Barkov vont transporter le gaz ce soir. Éteins ta torche, 3. Attention. J'en entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Neutralisé. On est tranquille. Compris. Installez-vous sur la crête. On va analyser le terrain. Echo 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence la reconnaissance. Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Véhicule en approche à la porte principale. Ça bouge dans la cour de triage. C'est comme ça que le gaz entre. Le véhicule se déplace. Passe ta lunette sur la porte principale. Cible dans la zone de chargement. En visuel. Compris. Point de contrôle, voilà l'entrée. Cible vérifiée. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Le Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Echo 3-1, cible touchée. Viking rentre à la base. Bonne chasse. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. Attention. Plusieurs ennemis à pied. C'est bon, on avance. Attention, Echo 3-1 est pas du genre patient. Clairement, quelqu'un a joué avec le feu. Ça leur apprendra à voler des armes chimiques. Ça brûle! Faut abréger leur souffrance. Vol achevé. Touché à gauche. Y'a plus d'ailleurs. Porte. M'en occupe. Compris. Hitman est en route. On peut plus vraiment compter sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. Soyez prudents, on ne sait pas ce qui nous attend.
Contact! On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte. En bouche ! Je ne vois pas ! Avancez ! Il y en a un au nord-ouest ! Infanterie ennemie à découvert ! Tirez la mitrailleuse ! On est trop exposé ! On doit neutraliser la mitrailleuse ! Ah, ma mère, ouais, c'est quoi? Ouais, je vois ça. Cherche là.
Des ennemis au sud-ouest. J'ai un visuel. Avance sur sa lumière et braque ailleurs. Grenade, bougez-vous. Les fuyards, ils s'enfuient vers moi. En mouvement. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Il y a peut-être des armes chimiques, mettez vos masques. C'est parti. C'est quoi ça? Ils ont coupé le jus. Allumez vos torches. Avec moi. Rien du tout là-dedans. Vous avez entendu? Je sais pas qui a coupé le courant, mais... Merde! Vous avez vu? Trouvez-le! Contact! Plus qu'à remettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Compris, 3-1. Je cherche. Ok, je cherche les fusibles. Trouvez les fusibles, trouvez le gaz, et on se tire d'ici. Attention les yeux. On a le courant. Merde ! On a un problème. Les dégâts de l'armée russe. Des Spetsnaz. 3-1, Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes, il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Comme d'habitude. 3-1, terminé. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche et on préparera le camion pour l'évacuation. Jackpot.
Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. Donc on y a, Echo. À toutes les unités, on est en route vers le rendez-vous. Restez vigilants. Beau travail, Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Attirez ! Watcher à point 1, vous recevez. Alex, vous me recevez. Terminé. Je suis là. Mais c'est qui ça ? Sidi, Amphara. Ma loro sì. Marines, Amitar. Lasimitarak. Paran. Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général. Les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où ? Occupé. J'ai un problème. Les Russes ? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand ? C'est déjà fait. Sergent Garrick, répondez. Ici Garrick. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut être pire. On a des snipers en position. Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris ? Oui, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord ? Ok. Sergent. Regardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre à Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go ! Là, on y va. Bouge pas. Police, bien joué. Doucement. Baissez votre arme. Attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go. Ils sont là, mes frères. On y va. Bouge pas. Police, bien joué. Doucement. Les mains en l'air, maintenant. À plat ventre, tout de suite. Vous faites... Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel ?
Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Regarde. C'est pas terminé. En avant. Raven, Sabre 2. Agent à terre devant l'immeuble du Tanto. Agent à terre. Non, monsieur. Quelle est la situation pour les otages? Marque d'entre dans le bâtiment. Tenez-vous prêts. Elles sont 15. Je vous couvre. Vous êtes armés? Oui, chef. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Sécurisez les angles. Au secours!
secours ! Des otages, en haut ! On a besoin d'aide, là-haut ! Enlevez-moi ça, pitié, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi, je suis pas avec eux! Je veux pas mourir. Pitié, je veux pas mourir. Je rentre chez moi. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non, non. À toutes les stations, c'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien cassé? Ça va. Allez. Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Alcatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Urzikstan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim ? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price ? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Alcatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Alcatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Alcatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi? Qu'ils attaquent l'Europe? Ou l'Amérique? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, faut y aller. C'est qui, lui? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA ? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors ? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex ? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Urzikstan, Alex. Suis-moi. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment ? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ces charges. C4 et détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi. Bonjour.
viens. Vite. Américain. Tu peux te fier à lui. Tiens, Alex. Enfile ça. De quoi j'ai l'air? Ça ira. Tariq, comment ça se passe? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les Russes voir la tienne. Suis-moi. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus stricts. Tu seras là aussi? Peu de chance. Ils se cachent pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. C'est ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Les hommes, c'est par là! Passe par la porte principale. On se retrouve de l'autre côté. Donc les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. C'est ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Et la bienveillance, certains en murs existants refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Reprends le travail. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains, en murs existants, refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Je suis passé. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat? Ouais. Approche-toi de lui. En nous, stoïc! Attire son attention. Allez! Tue-le. Sadoné! Sadoné! Tu caches ton arme. Fais attention à toi, ma sœur. T'es plein de ressources? Bien. Il faut que tu caches ton arme. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Ces insurgés s'entêtent à nous attaquer sans raison réelle au nom d'une soi-disant liberté. Ces terroristes venus de l'intérieur sont le cancer de ce notre pays. Ça fera l'affaire. Bien. Retourne par la droite. Contourne le véhicule. Par la droite. La figue? Рабочая сила. Пав прислугу, мужиков, локатор. Как он говорит.
В хозяйстве все сгодится. Какого черта? C'est bon. Reste à couvert. Attends. T'approches pas de la porte. Осторожно. Могут быть растяжки. Tu les as en joue? Ouais. Prends-en deux. Je m'occupe de l'autre. Va voir dans la porte du fond. La voie est libre. Par ici. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Planque ton arme. On ressort. Suis-moi, je passe devant. Quand on défie le général Barkov, on en paie le prix. Qu'est-ce qui se passe? Pitié, elle est terrifiée. Laissez vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là? Ils sont pendus parce qu'ils ont désobéi. Regarde-les bien. Allons-y. Vous voyez? C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour le vol du gaz. Ces terroristes Barkov sont à l'origine de tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Unissons nos cause. Accomplir notre mission. Et mettre un terme à la cruauté de Barkov. Et vous serez récompensés. Les abats, la base devra envoyer des renforts. Et on en profitera pour attaquer. C'est ça. Pose les explosifs sur les hélicos. Je te couvre. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abats-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Je suis un homme juste, épris de justice. Nul besoin de juge ou de jury ici pour reconnaître un crime. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abats-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Les ouvriers par là! Je suis un homme juste, épris de justice. Nul besoin de juge ou de jury ici pour reconnaître un crime et son châtiment. Sous mon commandement, nous éliminerons si tu les attaques, je te fais par là. Un lieu de travail sain et sécurisé. Cette révolte impose la guerre aux citoyens de l'Urkistan et pris de paix. Combattant la liberté et tous leurs complices. Menace la sûreté dehors et moi. La sécurité de j'ai ceux qui suivent les règles. Aujourd'hui, ils doivent être punis. Ceux qui osent croire que mes hommes céderont devant ces actes terroristes et ces projets secrets, ces tentatives de sabotage se trompent lourdement. Stop! Il y a un garde, en haut des escaliers, à gauche. Surveillez bien la foule. Autorisation d'ouvrir le feu en cas de menace. Maintenant, avance. Je te couvre. Vraiment des réflexes de chat. Personnellement, je préfère les chiens. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. C'est l'idée. Maintenant, passe à l'autre hélicoptère. Interventionnistes et garderont ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis, mais la mort
Agnew ! Là, pour défendre votre vie, votre liberté et votre indépendance. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis, mais la mort. La Russie est là pour défendre vos vies, votre liberté. Et votre indépendance. Je suis à côté de la cible. Les réserves de Je ne céderai jamais face à des insurgés. Charge en place. L'URSSIC stand. Votre groupe sur ma position. Ces réserves de main-d'œuvre se tarissent. Tous ces criminels terroristes cherchent à détruire ce pays. Et aujourd'hui, nous envoyons un message à ceux qui refusent de suivre les ordres. Maintenant, rejoins-moi, Alex. Ils sont partis. C'est le moment. Fais-le exploser. Ces conspirateurs parmi nous. Attention. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapides. Ok, ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va les faire sauter. Vite, full pick-up. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok, ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va aller vite, full pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu, qu'il les attendra à leur retour. Quelle générosité! Mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. C'est quoi ce merdier? À terre. Ne bouge pas. Reste immobile. В этот раз старик дойдет. Должно быть, Карим. На гуще.
beau travail. Au tunnel, vite. Il risque d'en arriver d'autres. Regarde, des renforts de la base aérienne. Notre plan fonctionne. Stop. Merde, la porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. Adir a un plan. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov. Histoire de bien le garder à l'œil. Prudence. Mère de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons? Je vais emmener ça au Hellcanon, lieutenant. Allez, fais vite, cousin! Oui, lieutenant!